certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Gaïa. Gaïa, dans la mythologie grecque, c'est le titan qui représente la terre. Et que l'on a, que je crois, il me semble, c'est la mère de Déméter. Quelque chose comme ça. Ou du moins, elle est remplacée par Déméter parmi les dieux de l'Olympe. Bon. Gaïa, ce serait notre planète Terre, en fait. C'est une allégorie de notre planète Terre. Et j'ai envie de parler de cette singularité Gaïa parce que nous avons dans l'ensemble de l'univers des planètes, des exoplanètes et des planètes comme la Terre, des planètes comparables à la Terre qui peuvent abriter la vie. Et le fait que l'univers abrite la vie, que nous, on connaisse ça et qu'on soit au milieu de tout ça, c'est notre singularité Gaïa. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que on a une chance incroyable d'être là. Quelque part, c'est miraculeux. On ne sait pas encore aujourd'hui, avec toute notre technologie, toute notre archéologie, toute notre physique, toute notre biochimie, etc., on ne sait toujours pas quelles sont les origines de l'humanité. On postule deux grandes hypothèses, dont certaines sont considérées comme ascientifiques, en grande partie, par les autres, par les tenants de l'autre bord, les créationnistes et les évolutionnistes. 150 ans après Darwin. Et les recherches sur l'ADN n'ont toujours pas permis de déterminer quel était le moment de bascule où l'ARN mutait pour devenir un ADN, je dirais, mutagène. Qu'est-ce qui pouvait provoquer la mutation? Mais la mutation s'est observée à la canopée des grandes forêts équatoriales. Nous ne sommes pas étrangers de l'observation des mutations des espèces. Nous l'avons observée à la canopée. Alors vous allez dire, c'est peut-être un phénomène qui touche les insectes de la canopée équatoriale. Mais si ça les touche eux, pourquoi ça ne pourrait pas nous toucher nous? Et en quoi ça ne pourrait pas expliquer l'origine de l'humanité, la mutation, et donc l'évolution? Donc, il y a quand même, on fait intervenir un grand Manitou, un grand esprit universel directement pour façonner l'homme, à partir d'un couple qui se trahit lui-même et ensuite doit faire attention à ses fesses. Sinon, les conséquences seront terribles. Et on lui dit que le sort de l'univers repose sur un destin dont il est la victime irrévocable et qui ne pourra lui assurer de justice que dans une autre réalité qui serait façonnée après. Tout ça est, si vous voulez, très enclavant. Je pense que les religions monothéistes n'étaient pas mues que par des raisons politiques ou des raisons métaphysiques. Je pense qu'elles étaient mues par un sentiment de responsabilité à l'égard de l'univers, à l'égard de la Terre, à l'égard de la vie. Je pense qu'elles étaient mues par la recherche des hommes à travers les âges à envisager le possible de la manière la plus pratique, la plus en relation avec ce qu'il vivait. Et je pense que Dieu a été l'objet de multitudes de réflexions, de multitudes de pistes, de multitudes de voies d'exploration concernant son rôle, sa fonction, etc. Au cours des premiers siècles de l'Empire romain, il y a eu de nombreux conciles qui ont abouti, on le sait, à l'Église de Rome et à l'Église orthodoxe, qui ont défini la foi. Mais ce faisant, elles ont écarté à chaque fois un petit peu plus la réflexion, les pistes qui étaient explorées par les différents protagonistes de la recherche métaphysique et spirituelle. Et elles l'ont fait souvent, je dirais, à dessein. Donc, il ne faut pas tenir
uniquement compte de ce qu'ont dit les conciles. Les conciles sont intéressants pour comprendre ce qui a été les dynamiques qui ont préservé certains enjeux, notamment les enjeux sociétaux, dans certains contextes bien définis, mais les conciles ne permettent pas de déterminer la vérité, ne permettent pas de déterminer le cadre du réel, le cadre même de la réalité divine, si on peut dire. Donc si on cherche à envisager la spiritualité pour comprendre Dieu, dans un monde quantique, dans un monde qui ne peut pas se satisfaire de logique binaire et de logique, fondée sur un plan ou sur deux plans ou sur trois plans, enfin, sur une géométrie trop limitative. Quand on voit toutes les interconnexions qu'il y a dans l'univers, on doit se dire que, quelque part, le souci que les premiers hommes avaient de Dieu était un souci qui concernait leur relation avec le vivant, avec la vie, avec l'existence. Et que le souci qu'ils avaient de Dieu était le souci de la satisfaction du ciel, de la satisfaction des forces cosmiques pour convenir à une harmonie, un équilibre qui allait pouvoir leur donner le sentiment de la satisfaction à eux-mêmes, étant donné qu'ils étaient dans l'attente, dans l'aspiration d'un équilibre, d'une réalisation du tout viable, qui les poussait toujours plus à comprendre ce qu'ils pouvaient faire pour que leur environnement social, écologique soit le plus favorable possible. La santé, la prospérité, le progrès qu'il pouvait y avoir dans les actions humaines, dans la visée de développer toujours plus une écologie sociale, une écologie politique et une écologie complète, en fait, totale. C'est-à-dire le sens de l'environnement, le sens de ce qui est autour de nous. Dans le sens où un Dieu tout-puissant, qu'il soit tout-puissant ou non, compte sur chacun des partisans, des participants de sa création pour créer de l'équilibre, apporter la santé du tout. Et en ce qui concerne notre planète, ça veut dire que les individus, les hommes, travaillent à garantir le bien-être collectif, le bien-être de la vie tant qu'elle peut, hein, bien sûr, puisque on est toujours soumis au phénomène de la maladie, de la mort et de la souffrance, mais tant qu'à faire, travaille aux forces du bien, travaille aux forces de la prospérité, de la multiplicité, mais la ressemblance produit également beaucoup d'efficience. Il y a beaucoup de façons de faire. Par exemple, dans une famille, on applique plus le communisme que le capitalisme. On est d'accord, hein, vous ne demandez pas des services à vos enfants pour leur donner de l'argent de poche, a priori, ou pour leur acheter des vêtements, ou pour leur offrir de la nourriture. Donc, il y a toutes sortes de fonctionnements pour cet équilibre. Il ne faut pas se limiter à des logiques institutionnelles. Les institutions sont généralement le résultat agrégé de la concentration de logiques qui sont appliquées par les hommes pour pouvoir s'organiser. C'est-à-dire que c'est appuyé sur la rationalité. Et le capitalisme est appuyé sur une grande logique de rationalité très efficace qui lui a valu sa durabilité depuis le 16e siècle, 15e siècle à peu près. L'économie de marché est encore plus ancienne et est appuyée également sur des fondements logiques, mais on ne peut pas envisager tous les rapports comme des rapports économiques de type offre et demande. Tout ne se règle pas sur les marchés. Et c'est en ça que le politique joue un rôle nécessaire. Alors pourquoi j'en viens là? C'est une dérive, mais parce que tout ne se règle pas entre une offre et une demande par la négociation,
il y a parfois des principes moraux qui interviennent dans, je dirais, le fonctionnement, le bon fonctionnement de la société, et ces principes ne convergent pas toujours complètement, mais permettent de montrer des logiques communes. Et plus on remonte dans la métaphysique, plus on remonte dans la structure même du réel, et plus on va comprendre les logiques fondamentales qui vont faire qu'on va être équilibré et qu'on va être juste dans son appréciation de ce qui doit être fait. Donc Dieu est un éternel inconnu, mais je pense que la religion est avant tout le fait d'hommes qui vivent l'expérience de la vie et qui cherchent à produire un message, une image, une transmission de leur compréhension des moyens de traverser cette vie, cette existence de manière pacifiée et de répondre aux différents besoins que l'homme entretient pour satisfaire son existence. Je témoigne d'une expérience qui m'a fait contempler des êtres de lumière. J'appelle ça des anges parce que de toute évidence, ils ont la capacité d'envelopper l'être comme avec des ailes. Ils ne parlent pas. Et ils, par contre, ont éveillé en moi une capacité à me parler supérieure, à me parler très vite et à dévoiler tout ce que j'avais en stock. Et j'ai été mis en conscience de moi-même dans toutes mes couches, j'ai été scanné. Au fil des années, j'ai découvert tous mes conditionnements et j'ai découvert comment j'appréhendais le monde, quelles étaient mes illusions, et j'ai pu me parfaire. Comment vous dire ? Les arrière-mondes, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai toujours mesuré à quel point les arrière-mondes étaient différents. Petit, je voyais des statues Bouddha de ma mère. Je me disais, mais alors ce Bouddha, alors je croyais qu'on était catholique, on va à l'église et tout ça, et pourquoi il y a Bouddha ? Alors je comprenais pas, et puis ça m'intéressait, et puis plus tard, j'ai lu la vie de Bouddha. Et je me suis intéressé au personnage et à sa pensée. Je me suis dit, mais toute la tradition bouddhique, alors des millions d'individus, ça a l'air bien construit leur truc. Et il n'y a pas le même contenu d'arrière-monde que dans le christianisme. Pas du tout. Le monde chrétien est très symbolique. Le monde bouddhique est beaucoup plus métaphysique. Et pourtant, il y a un arrière-monde. Il y a un arrière-monde même très riche chez les Mahayana. Donc, on peut dire que même selon les écoles, on va clarifier ou compliquer l'évolution, le processus initiatique, etc., l'apprentissage des étapes. Bon. On va en fait découvrir toutes les couches de l'être, j'ai l'impression. Mais on va l'aborder avec un certain angle. Et ça, c'est l'angle bouddhique. L'angle chrétien, il est clairement, ou l'angle, on va dire, monothéiste, il est clairement symbolique. Il utilise des personnages, il anime des personnages et il raconte des histoires. En ça, on a, qui peuple tous ces ouvrages, des formes pensées exprimées dans la culture, dans l'inconscient collectif, qui s'animent et qui, par le mouvement des religions, manifestent quelles sont des notions qui sont appréhendées de manière différente et subjective. Et que ces formes pensées peuvent se scinder en fonction de l'évolution des processus communautaires, du fait social religieux. Donc, en fait, on a une vie des symboles et on voit que la diversification dans le style, dans la forme, dans l'expression, dans le rappel, dans l'interprétation, nourrit des imaginaires innombrables avec des leitmotifs. Ce sont les lignes de force, si vous voulez, de la croyance des hommes. Mais en quoi ces arrière-mondes sont-ils vrais ou nous disent-ils le vrai ? Et comment les appréhende-t-on ? Quel est notre recul ? Comment peut-on, avant de se positionner, déjà comprendre en soi à quoi on a affaire ? Pourquoi des arrière-mondes ?
Moi, je me suis beaucoup intéressé à l'imagination, à la rêverie, au fantastique, parce que j'ai découvert que c'est un monde peuplé de symboles. Et en même temps, il est fonctionnel, c'est-à-dire que les symboles ne sont pas utilisés tout le temps en permanence de la même manière en tant que symboles, ils sont utilisés en tant que chose vivante qui a des particularités, qui rentre matériellement, concrètement en interaction avec leur environnement. Donc on en fait une chimère, en fait c'est une chimère, mais cette chimère était réelle, il y a une chimère plutôt que rien, vous voyez, elle fait partie de la singularité Gaïa. C'est ce que postule Henri Corbin quand il parle du monde imaginal. Donc on a affaire à des formes pensées. Voilà, c'est ce qu'on appelle des formes pensées dans le jargon. À ce titre, le dieu monothéiste, ou les dieux des monothéismes et des énothéismes occidentaux, est souvent... lui-même, on peut le qualifier de forme pensée. Il exprime un archétype, ou une multitude d'archétypes. Plus probablement, plus il est important, plus il exprime une multitude d'archétypes. Ce qui peut expliquer le fait qu'on lui colle des attributs innombrables, et que ces attributs sont par exemple soit appris par cœur dans certaines religions, soit représentés par des symboles de pouvoir sur les bras de son idole dans les religions hindoues, qui de fait participent de la méditation. C'est un acte de méditation. En fait, la prière n'est qu'un acte de méditation. La question, c'est est-ce que vous avez appris à méditer ? Donc, est-ce que vous avez appris à prier ? Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous épuisez votre volonté dans une prière, par exemple ? Ou est-ce que vous vous imprégnez d'une aura de la présence de Dieu pour vous transformer dans votre conscience en profondeur ? Alors, de la même manière, les gnoses se veulent souvent métaphysique. On a dès l'apparition de Marcion et Valentin deux écoles qui s'opposent, qui sont plutôt gnostiques. Bon, on va parler surtout de Valentin parce que Marcion n'est pas vraiment un gnostique, mais on a avec Valentin l'expression de quelque chose de très complexe qui initie le rapport des gnostiques avec l'expérience spirituelle, c'est-à-dire un rapport métaphysique, un rapport avec le ciel des idées, un rapport avec l'organisation des idées. Et c'est une notion de l'évolution de la forme entre la pensée dite théologique et la pensée métaphysique. C'est qu'en fait, la gnose, c'est le point de jonction, c'est l'entre-deux entre la pensée. C'est habituellement, j'entends la gnose dans la tradition. Moi, j'essaie de faire de la gnose positive, donc j'essaie d'appliquer les découvertes. En fait, la gnose chrétienne se situe dans cette évolution entre la pensée religieuse, théologique, et la pensée métaphysique. Elle est imprégnée par l'univers de Platon, et toutes ces notions-là, toute cette philosophie-là, ne disparaîtra pas avec la gnose, c'est-à-dire qu'elle va pousser l'Église dans la nécessité de se définir sur le plan des idées, et ça va créer tout un mouvement de concile qui va induire d'autres types de réactions dans la société. Par exemple, les Juifs ne vont pas rester étrangers à ce phénomène, et il va naître la Kabbale dans le judaïsme, qui est complètement issue de cette démarche de métamorphose de la pensée religieuse en métaphysique. Ce qui est très différent des sacrifices qui étaient faits à Marduk ou à Yahvé dans des temples et qui étaient une vision qui n'a rien à voir avec l'approche des kabbalistes ou des gnostiques.
Il n'y avait rien de philosophique là-dedans. Ou s'il y avait du philosophique, on voit bien que quelque part, il participe d'une angoisse, surtout. En fait, je pense que l'orientation de la spiritualité, c'est de nous enlever nos angoisses.